Voilà tous les téléspectateurs, téléspectatrices, sans la canusio. N'a pas dit un gros bonjour, bonsoir pour nous tous en vrai pour nous débattant. Pour nous capables de nouvelles café actualité dans le pays d'Haïti à travers le monde. Pour ce channel PIA, channel information, channel maman Pimba qui c'est la canus. Avec Tifo Grand Frère ou Tchèque au peuple et nous la bonne pote information café actualité. Yon parle l'autre, gagne la tout bon parbon en 4 quoi, le bon entier, président Jovenel Moïse, et qui te parle aujourd'hui à côté, il dit qu'il va demander aide avec États-Unis pour yon, à qui niveau il était capable de stopper dossier ZAM cap entre dans le pays, arrêter, collecter, nous allons avec tout détail, toute information pour vous. Chanel ça, c'est Chanel pour qui c'est la CANUS, bien arrêter, collecter, nous allons avec tout détail. Oui. Merci avec tous les amis qui contribuent à travailler ça. Merci avec tous les téléspectateurs, tous les fans inconditionnels de la CANUS ou même qui a peine arrivé. N'abdou, bienvenue. Pas oublier abonner, partager, like. Et gon proche pouvoir qui vont message ban moi et qui dit Tcheko, ouais, Chanel, ça, son Chanel, président Jovenel, plus tendé. Il a le conchit avec le président Jovenel là, il a parlé, puis Jovenel a attendu. Quand l'aime bien le président Jovenel en carton, Jovenel tape manger. Jovenel tellement ri carton ça qui me balle. Ah bien, Chanel là, c'est Chanel Peppa ici. Nous, là, nous ne parlons pas de prix, c'est samedi. Dis-moi, c'est comme ça. Ici, nous ne parlons pas de prix. Chanel là, c'est Chanel Peppa ici. C'est Chanel président, c'est Chanel opposition, c'est Chanel whatever mon ni. Pas de monde qui pas prendre carton, de pour marcher. Ou pas changer, pas bon, ou pas prendre carton. Ils ont changé. Président Jovenel te baille. T'as bay carton et pas de paix, et bien c'est sous un la CANUS qui prend carton ça. Et bien il dit que ça a de bagay qui m'a dit, président Jovenel prend yo. Et sous vidéo ça nous va le suivre là, qui m'a dit, président Jovenel Moïse, l'État dans le pays d'Haïti, zam kap entre dans tout port yo, dans port Saint-Marc, dans port au Cap, dans port Cité Soleil. Zam sa ou pap ka moute bateau pour kote yon dans le pays d'Haïti. Son moun ki mette yo. Pour qui ça ne pas chercher qu'on est pour nous faire investigation pour nous connaître sous qui non monde zam ça voyer dans pays d'Haïti qui est-ce qui a pressé voyer ouais là tu commences à parler parfois grand pile monde qui qu'on a ignoré ça n'a pas dit mais président prend pile note sous carton dans président d'ap chercher m'pas joindre président Jovenel te prend carton m'pas dit c'est volé il te volé non mais il prend ça ne pas dit ça il t'a baï carton rouge dans port de paix avec ancien sénateur la Tibonite là. Eh bien là, travail ça, peuple haïtien, son travail, c'est ça que l'offre vous passer sous la CANUS. C'est là le direct dans le gouvernement place. Là le direct par le président Jovenel Moïse. Parce que Chanel ça, c'est pas moins de deal. C'est pas moins de deal pour vous, proche pouvoir. Mais moi, c'est ça fait, moi, je n'ai pas de problème ça. Je n'ai pas de président. Moi, je n'ai pas de monde pour me faire carton. Le président Jovenel tape moi, il m'a carton. Vous voyez? Pas de monde même. Nous pas baïkat on pas boy ici là même pouvoir même proche pouvoir qui dit Chanel c'est la caillou tu conversion dans Chanel président Jovenel plus tendu et ça c'est comme preuve que nous fait et tout ça nous dit au président Jovenel a dit tout net dans vidéo ça là et chaque pas oublier président Jovenel te voler carton dans président Jovenel sous pas de voler ban moi quand même t'a fait plainte pour lui mais carton va pas on a le on a faut attendre président Jovenel qui t'a parlé sous petit écran dans la CANUS ici là nous même jeune parler c'est comme ça il frapper. On a le temps de président Jovenel qui t'a parlé, comment vous allez faire ça. Ici, là, nous-mêmes, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas envoyer mouté, nous ne pouvons pas envoyer pièce mouté sous personne, ce soit moun. Jean Bagala, il y a comme ça, nous ne pouvons pas craser le pays. Nous ne pouvons pas d'accord pour nous craser le pays. Nous avons un carton rouge, c'est ça, lié. Parce que nous avons besoin de changement pour le pays d'Haïti. Le pays d'Haïti, c'est pour nous. Nous ne pouvons pas quitter les gens qui sont dans le pays Liban, dans le pays Syrie, pour détruire le pays, pour mélanger avec voler en haïtien, pour détruire le pays. Nous ne pouvons pas prendre ça dans le pays. On a le président ou le contre-rendu de cette réunion. Merci. Daniel, m'ap salue presse parler, écrit et télévisé, hein, et présent nous. Je remercie nous pour la présence de l'Ordinien, nous venons en couverture. Mais un moment spécial qui c'est les affaires civiles des pays, hein, qui c'est plus gros concerne que le pays a gagné aujourd'hui. Hein. Avant de commencer, je présente les condoléances. Les condoléances de tout l'État, à la famille, le directeur de la prison civile, Kwade Boukaya, inspecteur Paul Joseph Hector, et dernière victime de ce médecin qui est tombé en bas de l'assassin, bandit, en d'un pays à nouveau. Nous profitons de l'occasion de nous voir sympathie, nous. Bayou. By famille médecin.
Je profite pour féliciter le policier dans le commissariat Lester avec accompagnement et collaboration de la population qui est arrivé freiner Zach qui était sorti pour le fait dans la zone après Lester, parce que c'est Lester. Action arrivée. Nous connaissons dans le bas, il y a un gros chef bandit qui était sauvé dans la prison qui est tombé. Nous voyons un gros coup de chapeau par les policiers et demandé au directeur général là, pour le capable toujours motiver ce type d'action ça yo, dans le sens positif, leur arrivée. Insécurité, kidnapping. Ça, c'est l'État qui a le problème en premier parce que il a une stabilité politique. Ce n'est pas bon pour le peuple. Et pas bon pour l'économie pays. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour personne. C'est pour ça que nous dans l'État, c'est gourmet contre kidnapping et insécurité pour que la population vive en paix. Nous souhaitons faire une grosse rencontre après. CSPN qui était fait hier soir. Et il y a des décisions que nous prenons. Il y a des décisions que nous connaissons, que nous ne sommes pas capables de dire devant la presse. Mais il y a des décisions que nous ne parlons pas de là. Tant coup, décision qui prend pour que l'instruction baille nos affaires. Kidnapping, non, parce que kidnapping n'est jamais fait pour le parrain, Ça veut dire le kidnapping a fait, il y a toujours des auteurs intellectuels derrière. C'est pour ça que nous prenons décision pour que UCREF, ULCC, ministère des Finances, Banque République d'Haïti, tout le monde net, mettent tête ensemble pour nous commencer à suivre le mouvement au sérieux de l'argent. Avec bon genre d'outils légaux qu'a fait dans le système financier parce que dans pile information que nous gagnons mais nous voulons avant nous arriver dans affaire qu'embé monde mais faut nous gagnons preuve et bon genre preuve. C'est pour ça mon zayo nous demander toute institution zayo pour eux. Comment ce travail et chef CSPN, le premier ministre, il prend le travail pour rapidement nous mettre l'institution ensemble pour nous capables de joindre bourge en preuve sous des allégations et des informations que nous avons. Nous rencontrons tout, moi passer l'ordre pour le contrôle qui fait en douane pour nous renforcer le contrôle. Par exemple, contrôle qui pour fait particulièrement dans port Saint-Marc, dans port Cap-Haïtien et dans port Lafito, ce côté plus âme et munitions passées entrées en un pays. Et sous même aspect ça, tout, nous demandons au Premier ministre pour presser rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères pour rencontrer avec l'autorité américaine. Sous question ça, pour être qui. Puis beaucoup de que nous avons parce que munitions yo, avec un pile dans les armes, ils sont dans des conteneurs de faits personnels qui sont aux États-Unis, qui sont en Haïti. Pour nous, qui plus bon contrôle que nous avons, pour les gens, si c'est des Haïtiens qui vivent aux États-Unis pour nous avoir une possibilité pour nous capables de faire rentrer, ça veut dire déporter yo, pour nous-mêmes, pour nous avoir une puissance dans le pays. Et si c'est des étrangers qui y est, pour nous qui plus bonne manière, deux pays qui mettent tête ensemble pour nous arriver à joindre une bonne solution parce que j'en nous connais là, c'est pas Zamio avec munitions, c'est pas pour contre, il y a le monté dans le conteneur, il rentre en Haïti. Ça veut dire, il y a pas un, qui mène dans le conteneur et pour le conteneur, ça arrive dans le pays. L'autre décision nous prenons, même si nous connaissons pour affaire coronavirus,
nous avons créé une ligne rouge, une ligne téléphone rouge. Nous demandons au ministre de la Justice là, pour rapidement, il y a une ligne rouge qui crée 24 heures sur 24 pour kidnapping. Ça veut dire, la police annonce nous que nous avons un call center déjà, ça veut dire un centre d'appel, qui est capable de recevoir toute quantité d'appels que les gens ont bien pour faire. On croit qu'il y a pu arriver jusqu'à 250 appels heure. C'est-à-dire c'est pour permettre que un monde qui a une information sous affaire de sécurité, ça veut dire qu'on va arriver devant ou elle, faut nous suspendre dans affaire G-Web Bouche PA, c'est G-Web Bouche Palais. Et là, ça, monde l'a toujours qu'un B anonymat, il n'a pas besoin qu'on ait qui monde. C'est justement c'est la collaboration police-population. Et l'autre point encore important que nous chita sous lui, nous parler de lui, c'est les affaires compagnie sécurité. Parce que grand les compagnies sécurité qui importaient munitions avec Zama Fedou dans le pays. Nous croyons que y a un contrôle qui va le faire pendant ces 5 dernières années pour exactement. Qui quantité, qui type de âme que les compagnies ont importé, qui côté y est, qui est-ce qui observe avec eux, et qui quantité de munitions tout pour nous comparer entre, pour nous voir, quantité de munitions que vous commandez avec utilisation, pour nous garder est-ce que ça est soutenable. Je crois que le premier ministre, là, qui est chef CSPN, l'a gagné pour le faire. Pour demander la police pour faire travail ça. Et faut pas oublier que kidnapping dans tout, à chaque moment qu'on kidnapping qui fait, ça crée un émoi dans niveau population. C'est sous émotion mon yo qui au travail. Et c'est pour ça que nous prenons décision pour que lors d'un kidnapping qui fait, pour nous demander population pour l'accompagner nous, parce que lors yo barre route pour être un kidnapping. C'est compliqué, il y a compliqué problème. Ce n'est pas résoudre que résoudre. Ça veut dire accompagnement pour la population, il est important qui va permettre que, en temps réel, automatiquement que le kidnapping est fait, nous-mêmes, nous sommes capables de connaître. Et là, ça, collaboration, population, c'est lui-même qui pour nous, ça n'a pas cherché. Maintenant, pour les affaires. Auteur intellectuel kidnapping. Pas oublier, nous te songer dans l'année 2013-2014, comment kidnapping, nous avons dit depuis 2011, comment kidnapping a fait ravage dans le pays. Une seule arrestation a été faite, et puis kidnapping dans le pays. Et nous songer dans l'année 2016, disons 2015-2016, kidnapping, jusqu'en 2017. Kidnapping n'est pas à zéro. Ça veut dire, pour une raison ou pour l'autre, disons, je nous parle de 2017, même 2018, parce que en fait, c'est, nous commençons à connaître une grosse vague de kidnapping dans le pays à partir de décembre 2019, pour arriver à un moment à parler là. C'est pour dire nous que kidnapping n'a pas l'autre objectif, qui n'est pas objectif seulement pour kidnapper les gens pour faire l'argent. Mais il y a un objectif politique tout. C'est pour ça que nous prenons disposition pour que bon gens contrôlent et mettent à tous les niveaux dans l'État pour nous capables d'arriver à faire face à la situation d'insécurité. Parce que l'insécurité n'est pas bon pour personne. Nous-mêmes qui dirigeons le pays, si l'insécurité ça. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas notre activité, ça, nous avons pied matin, nous avons l'autre. Et nous profiter, féliciter le comportement démocratique, tout le monde qui était dans la manifestation hier, qui aidait la police à faire travail. D'ailleurs, je encourage tout le monde qui a l'idée pour ta manifestant dans le pays, il y a toujours le même comportement non-violent, qui baille. La police possibilité pour sécuriser vie à bien réellement. Parce que craser, briser, ce n'est pas un bagage qui est bon, ce n'est pas un bagage qui est capable
dans le monde qui a manifesté pacifiquement. Nous avons travaillé et pile effort qu'a fait dans le niveau police là. Forme de décision finale que nous prenons. Nous prenons décision pour nous mettre nos cellules anti-kidnapping rapidement pour renforcer cellules anti-kidnapping dans le DCPJ. Mais ce n'est pas mon cap sur dehors cap dans la cellule. Ça, faut nous clair pour nous comprendre ça. Ça veut dire son synergie pour le créer entre toute entité qui est dans l'État déjà. Je voulais parler de sécurité publique avec nouveau secrétaire d'État sécurité publique. Là. Nous voulons parler de ministère intérieur. Nous voulons parler de toute l'entité qui travaille dans les affaires d'enseignement et d'intelligence dans le pays. Là. Pour nous mettre tête ensemble, sous leadership directeur général de police, là, pour nous capables de mettre un bon contrôle dans les affaires de kidnapping. Là. Pour les affaires d'équipement, il faut nous dire que nous sommes dans la phase finale pour nous recevoir des équipements qui permettent que la police, avec DCPJ, travaille pour, dans le temps réel, nous capables de gagner beaucoup d'informations sur tous les actes de kidnapping qui sont faits dans le pays. Et décision encore que nous prenons décision pour que au niveau de la police, il y ait beaucoup de contrôle interne qui mettait. Et le directeur général de police qui confirme que le commencé d'ailleurs, et ceci depuis plus de 2 mois, avec contrôle interne ça, qui permet confiance que la population doit dans la police les renforcer. Et nous avons confiance ça, de commencer à renforcer, qui pour permettre que la police là, jodia, les gars fait travail comme ça doit. Ça veut dire dans toute institution, publique comme privée, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a des gens qui là, qui font des ordres. Mais les gens qui font des ordres, ils n'ont pas quand ils regardent. Par exemple, dans la police, il y a l'inspection générale. Dans tout l'autre côté dans l'État, tout, les gens des ordres qui font, les gens qui font des ordres là, il y a des entités qui là pour capable rappeler la loi. Et dans rappeler la loi, ce qu'on est arrivé, c'est juste la révocation ou même parfois emprisonnement. C'est pour me dire que nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, nous pas ménager les fonds nous pour nous capables de mettre le pays en sécurité. Parce que en fait, je dis, moi, en pile monde, parler de problème insécurité, hein? Mais faut me dire que problème insécurité ça que nous vivons dans le pays aujourd'hui, hein? N'est pas supposé un problème côté c'est un seul groupe qui est concerné pour porter solution. Nous-mêmes, rôle pas nous comme l'État, c'est travail, mais travail n'a pas travail là. Je nous dis nous besoin d'accompagnement tout le monde. Que monde qui dans l'opposition politique, que monde qui dans bon pouvoir. Nous besoin d'accompagnement tout le monde pour nous porter bon genre résultat à peuple là pour que sécurité tourne dans le pays. Et en parlant de monde qui est en opposition politique, je profite de l'occasion pour me dire tout que à chaque fois que le pays a une turbulence politique, c'est pour nous regarder à qui est-ce que la crise a profité. Il a toujours profité à bandits, il a toujours profité à monde qui nageait dans des eaux troublées. Et c'est pour ça que je dis. Je crois que c'est important pour les acteurs politiques dans le pays, hein, nous capables de mettre tête ensemble, nous chita attendre, pour nous capables de jouer une bonne solution côté pays. Ça, parce que nous voulons que nous ne moi-même, 35 ans après que nous entrons dans l'ère démocratique, là, moi crois que bagayo pas marché bien. Moi, l'exemple de Jérémy, que me Jérémy samedi, au magistrat dans le discours, les 10 à 35 ans depuis que Jérémy était en courant. Après 35 ans, ça veut dire que ce n'est pas possible. C'est pour nous dire que je dis, hein, c'est pour le moment arrivé pour nous mettre tête nous ensemble. Pour le problème commun, nous allons adresser ensemble. Nous ne pas obliger que je dis, hein, c'est l'équipe ça qui est sous pouvoir. On ne frappe pas. Parce que demain, c'est craser pour nous graser pour nous-mêmes pour nous prendre pouvoir. Non. C'est pour nous mettre tête ensemble. Pour nous capables de sortir du pays, parce que moi-même, je parle avec nous là, moi, dans la dernière année, madame comme président,
ça veut dire l'année prochaine, dans les consacres, c'est le président qui vient dans le pays. Et là, le président ça a venu, moi, nous-mêmes, par exemple, si le président ça n'est pas sorti dans le même bloc politique avec nous, seul ça m'a gagné, c'est travailler avec lui pour accompagner, pour expérience comme ancien président, pour venir mettre au service lui, pour le cap mettre service parle dans le service peuple. Je remercie encore tout le monde presse qui était présent. Population, m'a dit nous, qu'il y a confiance nous dans l'autorité qui a pour mettre sécurité dans le pays. La police en particulier, notre travail pour que sécurité retourne dans la famille haïtienne. Encore, collaboration nous, pas ménager li. Bay moun ki responsable sécurité yo, m'le parle particulièrement la police, bonjour collaboration avec information qui a besoin, parce que m'connais un gros travail qui a fait, parce que sous kidnapping nan, nous commençons à identifier, et je dis, proche kidnapping yo, m'connais tout moun qui a gardé, qui a tendu m'la, nous y entend, ouais yo. Ça veut dire, notre bataille nous-mêmes, au niveau de l'État, pour nous mettre tout bandit, tout vagabond, hors d'état de nuire. Parce que j'aime toujours dire, la vie en bandit, écoute, 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 écoute. Ça veut dire, il n'y a pas duré trop longtemps. L'on choisit, ce métier, ça a pour faire. Son métier qui fait partie très jeune, qui faut prendre pension très jeune. Et pension, on prend, tout le monde connaît l'on bandit prend pension qui veut aller. Ça veut dire, je dis, nous ne pouvons pas arriver. Parce que au bandit, que ou c'est. Un citoyen normal ou c'est haïtien. Ça dit aujourd'hui, le que nous-mêmes, au niveau de l'État, nous disons non, ça veut dire nous-mêmes qui bandit, si vous ne pouvez pas comprendre que l'État dit non, le ça, ou l'État, c'est faut comprendre qu'elle dit non. Merci un peu. Bonjour, bonsoir. Voilà, nous sommes tant de président de la République, là, qui c'est Jovenel Moïse, monsieur. Bon, voici, ouais, bagaille dirigé ton pays d'Haïti. Si le pays d'Haïti pas facile, le monsieur. Gardez qui j'en ai dit, ouais, président net, monsieur. Oh! Hey. Président est rentré à toute viande sous lui, même s'il n'est pas connecté, c'est vrai. Mais président est rentré à viande sous lui, monsieur. Gade. Ça, ça va pas être le problème, monsieur. Dès que la fini sous le pas rime d'arrivée, non, monsieur. Tellement va regarder le président Jovenel Moïse, monsieur. Monsieur, dès que la tête est viande sous, quand on a regardé figure du président Jovenel Moïse, dès que tellement va être le problème, président fini sous pied. Oh, papa, bon Dieu, papa. En tout cas. Sont tant les présidents qui sont parlés, et Jovenel Moïse qui sont parlés sur le dossier insécurité à valider dans le pays d'Haïti, et bien là, et bon, c'est comme ça. Qui ça m'a dit nous encore? Qui ça m'a dit nous là? M'a dit nous abonner, partager, like. Merci en pile, pas oublier, retour de Jésus-Christ est proche, préparer une lettre qui s'est retourné, nous capable de retirer le ciel là. Oh, m'oublier, m'a fait un travail. Carton rouge pour tout le monde qui empêche le pays ça marche. Carton rouge pour tout vagabond pour payer ça en doute et capter les âmes dans tout quatre coins pays pour mettre la double dans veille. Carton rouge pour tout bon vagabond. Bon. Est-ce que Haïti a péri? Non, nous pas qu'à quitter Haïti péri. Jeune garçon, jeune femme, mettez grand monde sous nous et bon vidéo là, m'bra venir avec pour pita. Ouais vidéo ça, préparez pour tendre vidéo ça. Et si yon haïtien tendre vidéo ça, j'ai le pas ouvert, m'pa bon menti, nous mettez tout acheter lunettes pour yo. Malé, pas oublier retour de Jésus-Christ est proche. Oubliez partager like channel aussi channel pour lui faire sauve les en la caille c'est en la caille peuple allez ça va bon Dieu bénisse nous.